qui n'a jamais vu ces silhouettes au stade Robert Champoux? Sonia Zomandré et Denise Akwakosonou sont aujourd'hui les symboles par excellence de l'arbitrage féminin ivoirien. Retour dans ce document sur leur histoire, des anecdotes et confidences. Je me nomme Corée Zomandré Sonia, arbitre internationale. Je me nomme Akwakosonou Denise. J'ai commencé l'arbitrage en 2006 à Bandoukou et international en 2015. J'ai commencé l'arbitrage en 2005 par le biais de M. Kofi Atu, ex-arbitre international. J'ai été motivée par une jeune sœur du nom de Kwasi Victoire à Bandoukou. Je l'ai vue lors d'un match au stade Ali Timothée de Bandoukou où elle était 4e du match et c'est comme ça que ça m'a vraiment touchée. Pendant la CAN, sur mon premier match Togo-Cameroun, avant d'aller sur l'aide de jeu, ton cœur bat d'abord. C'est quand tu arrives là-bas que quand tu donnes le coup de sifflet que tout commence à partir. Avant d'aller, j'étais un peu stressée. Est-ce que j'allais reçu le match? Est-ce que parce que je me trouvais parmi toutes les dames qui jouaient la Coupe du Monde, tu en fais au moins 5 fois, 6 fois. Quand tu arrives là-bas, tu veux montrer aussi au-delà de ce que tu connais. Donc j'étais stressée. Mais dès que j'ai donné le coup d'envoi, c'est parti. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à faire 2 cannes. Il y a eu l'entente, on a senti une familiarité entre nous, les filles. Donc vraiment, ça a été quelque chose de très bon pour moi. Vraiment, je ne peux jamais oublier mes 2 moments, mes 2 cannes. Au début, on était marginalisés. Parce qu'au début, lorsqu'on fait les matchs, les hommes, les présidents de club nous voient sur les matchs, ils se disent en même temps qu'on partait pour s'amuser. Mais ils n'avaient pas confiance en nous. Ça n'a pas été facile à maman parce que lorsque je partais faire les marques, les injures qu'elle recevait là-bas, quand souvent les gens venaient lui dire « Ah, on a vu ta fille en train de faire des marques là-bas. » Il y a certains joueurs, surtout certains présidents même de clubs, lorsqu'ils savent déjà à la réunion technique qu'il y a des femmes qui seront sur le match, tout de suite, il y a déjà une tension. Soit les hommes nous disaient « Non, cette femme-là, souvent tu vas faire les matchs, quand tu arrives sur les matchs, quand tu veux saluer un joueur, il refuse de te saluer. » J'arrive à faire les 2, parce que sur le terrain, je suis une hôte là-bas. Et dans la vie, comment on appelle, au niveau de la maison, je suis une autre femme là-bas. J'arrive à faire les 2 à la fois, il n'y a pas de problème dessus. Qui est Abdoulaye Zéh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